le gaz de schiste, est-ce que vous allez rouvrir le dossier de l'exploration du gaz de schiste? Non, le gouvernement maintient clairement et nettement sa position sur l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste. Nulle part dans le monde, il n'a été démontré que cette exploitation pouvait se faire sans dégâts considérables sur l'environnement et avec des risques importants pour la santé. Donc rien aujourd'hui dans l'agenda du gouvernement n'envisage de revenir sur l'interdiction de la fracture hydraulique. Mais ça, c'est pour l'exploitation, pour l'exploration. Est-ce qu'on va regarder si on a des milliards, des dizaines, des centaines de milliards d'euros sous nos pieds ou pas? Ce qui pose problème, ça, il y a déjà des éléments qui répondent à cette question. Ce qui pose problème, c'est la technique qui s'appelle la fracturation hydraulique, qui consiste à injecter sous terre de l'eau Sous pression, avec des produits chimiques, qui ensuite vont dans les nappes phréatiques. Donc, il y a des problèmes environnementaux et encore une fois de santé publique par rapport à une ressource tout aussi fondamentale que celle de l'énergie, qui est la ressource en eau. Et c'est ce qui a conduit la France à interdire la fracturation hydraulique. Et encore une fois, rien dans l'agenda du gouvernement n'envisage de revenir sur cette interdiction. Dans votre agenda, il y a pourtant une réunion avec les ONG la semaine prochaine et le Premier ministre. J'imagine que vous allez parler de ce sujet. Si elle l'aborde, évidemment, mais ce que le gouvernement prépare, vous m'interrogez sur la détermination du gouvernement à agir pour lutter contre le réchauffement climatique, à agir pour accélérer cette mutation, ce changement de civilisation, elle est totale. Et ce que nous préparons aujourd'hui, c'est la conférence environnementale qui se tiendra à la rentrée. 14 et 15 septembre. On va en parler dans quelques instants. Simplement, je ne suis pas tout à fait convaincu sur la réponse à la question sur le gaz de schiste. Vous m'avez parlé d'exploitation, moi je vous parle d'exploration. Je vous ai répondu sur les techniques, y compris d'exploration, s'il s'agit de fracturation hydraulique. Donc tant que pour explorer, ben pour voir s'il y a effectivement quel est le volume des ressources, écoutez, on utilisera ces techniques-là, il n'y aura pas de permis d'exploration. C'est très simple. Parce qu'Arnaud Montebourg dit que ce serait quand même bien de regarder. Non, mais il a posé une réflexion intellectuelle à partir de techniques futures qui, en l'état actuel des choses, n'existent pas. Encore une fois, je le dis, nulle part il a été démontré que des techniques pouvaient être sans conséquences et sans impact lourd pour l'environnement et pour la santé. Donc en l'état actuel des choses, la question n'est pas à l'ordre du jour. Donc il n'y aura pas de nouvelle autorisation d'exploration. Non, et il va y avoir la réforme du code minier. Qui est une réforme très importante. Le code minier, c'est ce qui régit toutes les règles d'exploitation des ressources qui sont dans nos sols et nos sous-sols. Et je vais mener cette réforme du code minier dans la concertation avec toutes les associations, avec aussi toutes les entreprises concernées, parce qu'il faut que nous ayons un code minier qui respecte la charte de l'environnement, c'est-à-dire qui respecte le principe qu'on ne peut pas exploiter ces ressources sans étudier les impacts sur l'environnement, sans information du public, ce qui sont des principes inscrits dans la Constitution. Mais vous lui avez dit, Arnaud Montebourg, qui, à mon avis, qui est le ministre du redressement productif, donc il se dit, mais si je peux créer de la croissance, si je peux réduire la facture énergétique de la France, le prix de l'énergie pour les Français et créer des dizaines de milliers d'emplois, est-ce qu'on ne peut pas quand même rouvrir le dossier? Eh bien, moi aussi, je veux lutter contre l'énergie chère. Moi aussi, je suis, comme ministre de l'énergie, très attentive à la compétitivité de la France, à la compétitivité de nos entreprises. Arnaud est un ami, mais je pense que ce qu'il a évoqué, c'est une réflexion intellectuelle qui n'est pas basée sur des faits. Alors, autre doute sur la volonté écologique du